Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de la naissance de Jésus. Alors installez-vous confortablement et écoutez bien cette histoire. Marie était une jeune fille qui habitait la petite ville de Nazareth en Galilée. Elle était fiancée à Joseph, un charpentier de son voisinage. Un jour spécial, Dieu envoya à Marie l'ange Gabriel. Cette apparition l'effraya. L'ange lui disa: N'aie pas peur, Marie. Dieu est content de toi et il te bénit entre toutes les femmes. Tu auras un enfant qui sera le Fils de Dieu et tu l'appelleras Jésus. Il sera le sauveur de ton peuple. Son royaume sera éternel. La nouvelle que Marie était enceinte rendit furieux Joseph, car il ne s'était pas marié. Mais un ange l'apparut aussi dans un rêve et lui disa: Ne crains pas d'épouser Marie. Dieu l'a choisie pour être la mère du Sauveur, le Saint-Esprit est en elle. Peu de temps après, Joseph et Marie allaient effectivement se marier. L'empereur Auguste avait donné l'ordre de faire le recensement de la population de l'Empire, ce qui obligeait chaque habitant à retourner dans la ville de leur naissance. Joseph venait de Bethléem. Il lui fallait donc s'y rendre avec Marie. La route était longue depuis Nazareth. Marie voyageait sur le dos d'un âne et Joseph marchait à ses côtés. Après quelques jours, ils arrivèrent à Bethléem, mais les auberges étaient toutes occupées. Mais un aubergiste, serviable, les a prêté son étable et il les a apporté de la paille fraîche pour qu'ils puissent se coucher. Jésus est né durant la nuit. Alors voilà l'histoire de la naissance de Jésus. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos explicatives, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À la prochaine !